Elle s'appelle Bruno. Regardez-moi ce beau barbu. En même temps, ils sont tous barbus. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais lui, il a une belle barbe. Tu sais me dire quel produit tu utilises pour ta barbe, s'il te plaît, Bruno? La Tahiti douche. Ouais, merci beaucoup. Et comme c'est justement Tahiti Bob, on va accueillir tout de suite, je crois qu'ils sont là, Aubry et Nico. Alors, ça va peut-être pas vous dire grand-chose. Aubry, le voilà. Ah, Aubry. Aubry. Excavated. Vous connaissez ce mec? Regardez. Il n'a pas changé. Ouais, on ça change tout. Et Nico. Bah Nico, alors lui, il fait un peu de promo pour son magasin, parce que ça marche pas des mains, ça va pas des mains. Non, mais va te mettre là, toi. Tu vas tirer. Bah, je sais pas. Regarde pas ce que tu veux faire après la soirée, excuse-moi. Qu'est-ce que t'as mis en dessous? Encore un nom de groupe que personne ne connaît, la DGK. On dirait un truc de pharmacopée. Bon, alors je vous raconte, ce mec, on a quand même fait un entrain ensemble. Enfin, il était venu faire Tahiti Bob avec nous. Tahiti Bob. Arrête de déconner parce que les gens ils vont vraiment croire qu'on parle de produits de beauté. Et lui, il a fait nos lumières pendant des années aussi. Il est venu faire des trucs sur Serge, sur Pinface, tout ça. Bon, je leur ai dit, venez faire Tahiti Bob parce que c'est un morceau de l'époque. Et Tahiti Bob, c'est un morceau qui parle d'un dictateur. Ouais. Alors, c'était avant-bouche, mais c'est un peu cuit. Mais c'était Milosevic en fait. Mais tu te souviens, hein? Et ça fait un dernier. Est-ce que vous connaissez Milosevic? Alors, un tonnerre d'applaudissements. Non, je déconne. Enfin, je ferai un tonnerre d'applaudissements pour les Milosevic. On y est, les gars? Tout le monde est prêt? Tahiti Bob? C'est parti. Oh!
Merci. Et tout ça, ça répète, hein, les mecs, hein, quand même. Ah, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Ça fait un petit truc. Ça fait 20 ans aussi. Hein. Ça fait 20 ans qu'il fait toute la musique. Il vend des t-shirts, tout ça, le gars. Et puis après, il croit que ça va aller tout seul. On n'entend pas celui-là. Philibert, on nous dit qu'on n'entend pas ce micro. C'est parce qu'on ne chante pas. Ouais. Alors, oui, dans la partie technique, il faudrait plus de chant aussi pour le batteur, s'il te plaît. Philibert. Non, c'est des trucs techniques, et on applaudit pas à ce moment-là. C'est... Ah, tu applaudis, batteur. Ok. Ouais, on s'appelle.